accomplie, Seigneur, dans la montagne sur les péchés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes plus qu'heureux de nous savoir, Seigneur, en toi, Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut donner la sécurité éternelle. Voilà pourquoi, Père, nous festoyons, Seigneur, c'est dans la parole que tu nous as envoyé, Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Père, j'abandonne ce moment précieux de Seigneur. Viens, Seigneur, sois avec nous, pas prominent de cette réunion, car ta parole déclare là où deux autres assemblent mon nom, je suis parmi. Seigneur, j'abandonne tous les bien-aimés qui ne sont pas là entre tes saintes et glorieuses mains. Toutes les familles, Seigneur, Père bien-aimé, est-ce que je puisse le venir richement, oh Dieu, que tu sois avec nous, en est que nous nous abandonnons entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer, je veux présenter un invité. Il est notre invité, il s'appelle Frère Alain. C'est mon ami personnel. C'est plus qu'un ami, c'est maintenant un frère. On a vécu dans une même maison, là, avec lui. C'est la personne qui avait signé la naissance d'Erika. Parce que moi, j'étais au boulot quand Erika était né. Et il devait avoir quelqu'un pour signer. Alors, c'est lui qui a signé. Donc, dans la naissance d'Erika, il y a sa signature. C'est vraiment un frère pour moi. Il est tout pour moi. Il habite à Berlin. Il avait promis de venir me visiter. Et il est là. Dommage que tout le monde n'est pas là pour te voir. Mais prochainement, tu le verras tous. Alors, qu'il essaie de te bénir sur le chemin. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci. Nous allons chanter. Il s'appelle Papa Alain Tchabala. Un ancien de la Hollande qui habite maintenant à Birmingham. Amen. Nous allons chanter Voyageurs dans les pays. Je chante pour moi. Je désire les voir. Oh,
Gloire à Jésus.
Thank you.
Thank you.
la place est éteinte, je vais juste introduire. Et nous allons continuer prochainement. Nous allons prendre une Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Genèse, chapitre 3, nous prenons le verset 21. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée framboyante pour garder les chemins de la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu, Dieu bien-aimé, Créateur des cieux et de la terre. Merci, Seigneur, pour la parole que tu as révélée. Merci, Seigneur, de nous avoir donné l'intelligence de lire. Mais, Seigneur, tu sais que la lecture n'arrange rien si toi, tu ne viens pas perdre. Viens, Seigneur, et inspire-nous, Seigneur. Donne-nous la nette compréhension, Seigneur, de l'Écriture, pendant que nous l'apportons, Seigneur, que tu puisses prendre prominence, Père, que tu puisses circoncire les lèvres qui vont parler, Père bien-aimé, et que tu puisses donner le cœur à croire, Seigneur, à ceux qui entendent. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons aussi prendre Apocalypse chapitre 5. La Bible dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Amen. Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Je vais ajouter encore ce passage. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Amen. Vous connaissez la suite de ce passage. La prédication, ma prédication d'aujourd'hui, c'est, attendez, je vais chercher le titre. Voilà. Ma prédication, c'est l'histoire de la rédemption. Amen. Amen. Vous avez lu dans le livre de Genèse que Adam avait chuté. Avant la chute d'Adam, il avait une communion parfaite avec Dieu. Le frère Adam dit que Dieu descendait dans la fraîcheur du soir pour venir parler à Adam. Mais un jour, le serpent est venu, il a semé sa mauvaise semence et cela a conduit la race humaine dans la chute. Et depuis ce temps-là, Dieu se décida, n'est-ce pas, de commencer la rédemption. Parce que lorsqu'ils étaient chassés du jardin, la promesse était faite comme quoi que la tête du serpent sera écrasée par la semence de la femme. Amen. Or, nous savons bien que la femme n'a pas de semence. La seule façon que la femme puisse avoir une semence, c'est que la femme doit recevoir cette semence de la part de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous avons eu la naissance virginale de Jésus. C'était une semence venue de Dieu lui-même. Comme Marie n'a pas pris de mari. Amen. Marie avait produit un enfant sans le concours d'un mari ou d'un homme.
C'était une naissance virginale. Or, c'était une semence donnée par Dieu lui-même. Et le frère Branham nous dirait qu'en Jésus, il n'y avait rien de Marie. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas appeler Marie femme, mère. Jésus l'appelait femme. Amen. Ce sont les auteurs qui ont écrit, ils ont dit Marie, mère de Jésus. Mais en réalité, on ne peut pas donner naissance à Dieu. Et ceci nous prouve même l'histoire de la rédemption. Et pardon, ça nous prouve même la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans la loi de Dieu, selon le livre de Lévitique, la loi de la rédemption devait être accomplie par les plus proches parents de l'homme. Amen. Et nous avons vu Adam, qui n'avait ni mère, ni père. Alors pour que Adam puisse avoir le plus proche parent, ça doit être Dieu. Parce qu'Adam est descendu directement de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui-même, Father a dit que ça ne peut être Dieu, Jésus-Christ ne peut pas être quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Sinon, ça brisera sa compréhension. Donc c'est Dieu lui-même qui est fait chair. Amen. Mais le problème est qu'il y a une confusion entre le tabernacle et puis Dieu qui était en lui. Amen. C'est lui qui était dans ce tabernacle s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout enfant vient au nom de son Père. Pourquoi est-ce que les enfants prennent nos noms? C'est parce qu'ils étaient en nous. Amen. Amen. Jésus-Christ étant la divinité manifestée dans la chair, c'est lui qui doit prendre toute la charge afin de ramener l'homme qui avait chuté. Amen. Amen. Une fois les diables avaient chuté, c'est là qu'on ne veut pas troubler Dieu. Quand le Père a commencé à siffler au ciel, Dieu le précipita sur terre. Et depuis ce temps-là, Dieu n'a jamais déclenché la rédemption pour les diables. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons que la rédemption n'existe que pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que le mot rédemption veut dire quoi? On va écrire ça ici. On va essayer de montrer ça ici. Quand on parle de rachat, parce que la rédemption est du rachat. Rachat, c'est racheter. Ce n'est pas acheter, c'est racheter. La rédemption veut dire ramener, n'est-ce pas? Rédemption égale ramener. Cela nous prouve la prédestination. Comme j'ai dit, le Père nous dit que Dieu nous a placés dans la maison de pression d'âge. Tu vas aller dans le point de choc. Tu vas aller déposer cette histoire. Parce que tu n'as pas l'argent. Il faut nous retrouver l'histoire. Une expérience. Cache converte. Amen. Amen. Tu vas aller déposer cette histoire au cache converte. Et après, tu ramèneras l'argent. Quand tu ramènes l'argent, on appelle ça la rédemption. Tu ne viens pas acheter, mais tu viens récupérer quelque chose qui t'appartient. Or, le plan de la rédemption, c'était pour ramener Adam. Amen. Amen. L'État ne pouvait pas être ramené parce qu'il est une créature du temps. Il n'a jamais existé dans la pensée de Dieu. Mais Adam était une descendance de Dieu lui-même. Quand il a chuté, Dieu dit non, je ne peux pas laisser mon fils. Je dois descendre moi-même. Quand Adam a chuté, les diables pensaient qu'il avait donné la bataille. Il s'est dit que le grand Jéhovah, le créateur, jamais de la vie, il va devenir un homme. D'ailleurs, il ne savait même pas comment il va faire. Il dit non, il ne s'est même pas bloqué. Amen. Non, les diables s'est découragé. Quelque chose que toi, tu n'as pas créé. Amen. Tu n'as pas créé la terre, mais tu veux posséder la terre. C'est comme si c'était pour toi. Or, il ne savait pas que depuis avant la fondation du monde, dans la pensée de Dieu, l'agneau a déjà été immolé. Donc, c'est-à-dire que la rédemption a été représentée dans la pensée de Dieu déjà. Amen. Amen. Maintenant, pour que l'agneau puisse être immolé, il faut qu'il y ait l'effusion du sang. Dans la Bible nous dit qu'il y a point de pardon. Sans l'effusion du sang, il y a point de pardon. Mais quel sang? C'est le sang qui était dans la pensée de Dieu avant la chute d'Adam. Amen. Amen. Alors, Dieu a joué un tour
à Satan. Pendant que Satan ne savait pas, il est venu dans les jardins d'Éden, il dit, non, mais, écoute, est-ce que Dieu a réellement dit? Écoutez, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais Dieu a dit que vous mangerez tous les fruits du jardin, à l'exception du fruit qui est au milieu du jardin. Il savait, il connaissait bien cette loi-là. Amen. Amen. Et depuis tout ce temps-là, il ne mangeait pas au fruit. Mais un jour, le diable est venu. Regarde, remarque comment il pose la question. Est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Amen. Est-ce qu'en disant ça, Jésus voulait réellement dire que? Ça sont les questions de Dieu. Et Ève s'arrêta. Le fait de dire que la faute de Ève, c'est parce qu'elle s'était arrêtée pour écouter la prédication du serpent. Et quand elle a écouté, est-ce que Dieu a réellement dit? Oh non, il nous a dit qu'on ne mangera pas, qu'on ne touchera pas. Il dit non. Tu sais pourquoi il a dit ça? Non, je ne sais pas. Parce que si vous mangez ça, vos yeux vont s'ouvrir. Ah bon? Alors, donne-moi ça va m'ouvrir les yeux. Alors que ça veut dire les yeux ouverts. Le frère Branham dit qu'il marchait mieux dans le jardin d'Éden, il ne savait pas. Parce qu'il était couvert par la gloire de Shekinah. Et lorsqu'il a enlevé la gloire de Shekinah, en mangeant les fruits en question, cela les a posé le problème. Directement, Adam vient. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, il prend le fruit, il mange. Directement, l'Éternel descend. Il vient, Adam, où es-tu? Il dit, non, je me suis caché parce que je suis nu. Il dit, quoi? Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé le fruit? Non, la femme que tu as mise à côté de moi, non, le fruit, je l'ai mangé. Ah bon? Et toi, femme, pourquoi tu as fait ça? Non, le serpent m'a séduit. Comme le serpent n'avait personne accusé, on dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, tu marcheras par ton ventre. Ça, c'est une voisine. On a fait couper ses frères. On dit au serpent que tu marcheras sur ton ventre. Tu auras pour la nourriture la poussière. Amen. Amen. On voit que le serpent parlait avec Ève. Le serpent a dialogué. Le serpent n'a pas sifflé. Amen. Amen. Le serpent n'a pas fait. Non, il a parlé. Amen. Amen. Et après quelques temps, la chute vient. Attendez, je comprends. Maintenant, la rédemption, le but c'était de ramener Adam dans sa position. Parce que lorsqu'il avait chuté, on avait barré les chemins de l'arbre de vie. C'est-à-dire que la Bible dit, empêchons l'homme. Je prends Genèse. Il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Le frère m'a dit que dans les jardins, il y avait deux arbres. Il y avait Christ. Parce qu'il est l'arbre de vie. Amen. Amen. Ce qui est l'arbre de vie, c'est-à-dire que l'autre arbre, était le malin. C'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas simplement l'arbre du mal, mais de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre mélangé. Amen. Amen. C'est une prédication mitigée. C'est mélangé. Amen. Amen. Alors, le chemin de l'arbre de vie a été barré. Que personne ne mangera aussi. Pourquoi? Parce que c'est l'arbre qui donnait la vie éternelle. Et Adam avait perdu quelque chose qu'il avait. La chose qui lui donnait l'autorité. Amen. Amen. Sur les bétails du champ et sur toute la terre. Et depuis ce cas-là, Adam est entré dans l'amnésie. Adam ne connaissait plus son identité. Amen. Amen. Et alors, l'histoire de la rédemption a commencé par là. Et vous allez voir que quand l'histoire de la rédemption pouvait commencer, il n'y avait pas des histoires des églises.
Ça n'avait rien à voir avec l'histoire des églises. Aller construire des cathédrales, rien à voir. Donc l'histoire de la rédemption, c'était simplement pour ramener Adam dans sa position. C'est tout. Et Dieu nous donne dans les lois. Si vous lisez le livre de Lévitique, vous allez voir. Vous allez prendre un animal, vous allez couper la gorge, vous allez prendre le sang, vous allez entrer dans le tabernacle. Et tout ça pour montrer, c'était une préfiguration du véritable armée de Dieu qui devait venir. Pourquoi? Parce que le sang exprime la rédemption. Voilà pourquoi moi je ne crois pas à une religion qui n'est pas basée sur le sang. Parce que l'histoire de la religion, c'est les rachats. Amen. Comme les musulmans n'ont pas de sang dans leur religion. Oh, nous, on a eu le sang lorsqu'on nous avait rachetés. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils devaient racheter. Prenons un peu cette image. Je vais prendre cette image. Vous connaissez cette image, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu avant, il a racheté les Juifs. Mais là, pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus vient quitter les Juifs et il va entrer dans les anges de l'Église. Amen. Amen. Et c'est dans les anges de l'Église qu'il a accompli les rachats. Et pour accomplir les rachats, il avait besoin du sang. Le sang, c'était quoi? Le sang, c'est la vie. N'est-ce pas? Parce qu'on parle de ça parce qu'il y a la vie dans le sang. Et cette vie-là a été mise dans les anges de l'Église dans la personne qu'on appelle Paul. Amen. Voilà pourquoi on dit que ça, c'était l'alliance du sang. Quand on dit que l'agneau était sur le trône dans les anges de l'Église, cela veut dire simplement que le trône de l'agneau, c'était les sept messagers. Amen. C'était les sept messagers qui trônent l'agneau. Maintenant, tous les sept messagers ne sont pas venus au même moment. Ils venaient tout partout. Quand Paul finit, Irénée vient. Quand Irénée finit, Colomba vient, ainsi de suite. Martin, ainsi de suite. Amen. Maintenant, quand on arrive au dernier messager, lui qui était le trône de l'intercession, quand il quitte, c'est pour indiquer que le trône de l'intercession est resté vide. Et l'alliance du sang prend fin là. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de l'histoire de la rédemption. Parce que la rédemption a été accomplie ici, sur la croix. C'est au niveau de la croix que Christ nous a rachetés. Il dit lui-même que je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'as donné. Ils sont tous entre eux-mêmes. C'est-à-dire que quand il est mort à la croix, il a payé au double de nos péchés. Il a racheté tout celui qui était un fils de Dieu qui devait naître avant ou après. Amen. Amen. Donc après la croix, Jésus ne rachète plus. C'est là qu'il l'a fait. C'est pourquoi nous parlons de l'histoire de la rédemption. Amen. Amen. Ce qui s'est fait, c'est maintenant la parole qui est prêchée. Et ça nous donne une prise de conscience, nous comprenons simplement qui nous étions. Mais avant d'arriver là, dans les jardins, Adam, quand Dieu était Elohim, Adam était une partie de Dieu. Amen. Amen. C'est comme moi, quand j'étais encore célibataire, mes enfants étaient en moi. C'est-à-dire que mes enfants existaient déjà, mais seulement que je ne pouvais pas communier avec eux. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous voyez un homme qui a le désir de se marier, c'est parce qu'il a besoin de la communion. Vous comprenez? Donc quand il se marie, c'est pour prendre une femme et manifester les enfants qu'il a toujours eu en lui. Mais le Dieu, comme il est Dieu, il n'avait pas besoin de femme pour manifester Adam. Il a parlé. Amen. Amen. Et lorsqu'il a parlé,
Son fils Adam s'est manifesté dans la chair. Il pouvait maintenant avoir communion avec lui. Et durant ce temps-là, il y avait une relation directe entre Adam et Dieu. Et maintenant, c'est à partir de la chute que Adam était coupé de Dieu. Maintenant, la rédemption commence là où Adam avait chuté. C'est-à-dire que la rédemption nous ramène dans la position qu'avait Adam. C'est pourquoi le Père dit que le retour de la rédemption nous ramène à l'Éden. Amen. Amen. C'est là qu'Adam a chuté. Je vais montrer ça ici. Nous avons ici Elohim. Ok? Le fait de dire que Elohim, c'est celui qui remplissait toute la terre. Il y avait que lui. Alors, pour créer maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il se déverse maintenant dans le logos. Qu'on appelle la colonne de feu. C'est ce logos-là qui avait conduit les enfants d'Israël. C'est ce logos-là qui était sur le tabernacle au désert. Amen. Mais là, Dieu a créé là, il quitte cette position d'Elohim. Il devient maintenant qui? Jéhovah. Amen. Et Jéhovah veut dire quoi? Dieu et sa famille. Amen. Donc ça dit que chaque personne, comme le frère Noël, comme il est là, il est Elohim pour le moment. Mais à un certain moment, il va devenir Jéhovah. Amen. Comme nous autres là, nous sommes déjà devenus des Elohim de Jéhovah. C'est Dieu et sa famille. Et quand tu deviens une famille, ton enfant n'est personne d'autre que toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai que toi-même, manifesté sous une autre forme. Amen. Donc, ça veut dire que nous sommes Dieu manifesté sous une autre forme. Voilà pourquoi quand Jésus disait que je suis le Fils de Dieu, les gens ont dit que tu t'appelles Fils de Dieu en te rendant égal à Dieu. Parce que être un Fils de Dieu, c'est être Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à ce jour-là, le nom ne me verra plus. Mais vous le verrez. C'est un Dieu qui change de forme. Un Dieu qui se manifeste sous plusieurs formes. Quand il devient Jéhovah, il change sa forme. C'est un Dieu qui a maintenant des enfants avec qui il veut communier. Et la création d'Adam, ou la manifestation d'Adam de la chair, c'était pour une communion. Amen. Voilà pourquoi la dernière prédication du frère Branham, c'était la communion. Pour montrer que l'histoire de la rédemption avait pris fin. Parce que la communion a été rétablie entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi l'homme était, l'agneau qui était sous le trône, en train d'intercéder. Pourquoi? Ce n'est pas comme j'ai toujours dit, ce n'est pas parce que vous avez volé. Ce n'est pas parce que vous avez, insulté quelqu'un. Non. L'agneau était sur le trône en train d'intercéder parce qu'il y avait l'ignorance. Amen. Amen. Et maintenant, nous voyons qu'au retour du livre maintenant, l'ignorance doit cesser. Et quand l'ignorance cesse, l'agneau n'a plus besoin d'intercéder. Parce que vous avez reçu ce que Adam avait perdu. Amen. C'est le travail que Jésus avait accompli sur la croix. C'était de payer les prix pour les rachats. Et lorsqu'il paye les prix, sur la croix, il dit, tout est accompli. Donc le but ou la mission de Jésus sur la terre, c'était pour nous, pour payer les prix, afin qu'on puisse récupérer les livres de la rédemption. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Pourquoi? Pour le jour de votre rédemption. Faut vraiment dire que le scellement, c'est la sécurité.
Voilà pourquoi nous croyons. Voilà pourquoi nous croyons à la sécurité éternelle. Pas que les saignements devaient avoir lieu durant les âges de l'Église. Dans le but du jour de la rédemption. Comment? Parce que le livre a été déjà récupéré par Christ. Les prix avaient déjà été payés. Mais on attendait jusqu'à ce que le livre puisse être remis entre les mains de l'homme. C'est ce que la nature attendait. La nature toute entière attendait la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire que voir encore les hommes et les devenir des divins. Amen. Amen. C'est ce que la nature attendait. Mais avant d'aller là, laissez-moi prendre le pouvoir de Dieu pour transformer. Le frère m'a dit ceci. Il dit, vous étiez dans les rêves de votre père, mais votre père ne pouvait pas jouir de votre compagnie. Amen. Avant que vous ne soyez transformés en un corps de chair, mon fils ici était en moi, mais il n'est pas. Je voulais un fils, mais il était déjà en moi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Si tous, frère Noël, tu as déjà un fils, n'est-ce pas? Tu as des enfants. Donc tu vas les produire selon ta volonté. Si tu veux avoir ça, c'est toi. Si tu veux avoir 4, c'est toi. Parce que tu as un nombre ou bien un chiffre illimité d'enfants. Mais seulement que pour le moment, ils ne sont pas encore manifestés. Tu ne peux pas communier avec eux. Voilà pourquoi parfois je te sens très mal. Tu t'assois là, ah vraiment, ah, boring, en bord, on te le mal. N'est-ce pas? La chose qui te pousse à te marier, c'est parce que tu veux la manifestation des enfants qui sont en toi. Enfin, tu puisses avoir communion avec eux. J'ai un ami à Glasgow. Sa fille ne lui parlait plus, mais il était devenu malade. Il dit, mais aide-moi un peu. Comment est-ce que je peux faire pour que cette fille puisse me parler? À chaque fois que je l'approche, je me dis, ah, laisse-moi. Ça a rongé le père. Pourquoi? Parce que la fille là est manifestée pour avoir communion avec son papa. Tu t'imagines que dans ta maison, ton fils ou ta fille n'était pas là. C'est pas du tout bien, n'est-ce pas? On a communié. Comment vous allez? C'était comment l'école là? Parce que tout ce que nous investissons dans les enfants, ce n'est pas pour nous, n'est-ce pas? Parce que quand tu envoies l'enfant à l'école, tu lui fais les devoirs, tu lui donnes tout ce qu'il a besoin. Fais le compte, si c'est un homme, il va se marier, le bonheur sera pour lui et sa femme. Amen. Mmh. Moi je suis ici, ma mère ne bouffe pas mon argent tous les jours. Mais elle s'est promenée pour que je sois bien. Pourquoi? Parce que j'étais une partie de vie. Parce que ma mère était une partie de mon père, et moi c'était une partie de mon père. Nous étions tous dans les papas. Amen. Mmh. Voilà pourquoi nous avons des soucis pour nos enfants. Pour que nos enfants soient bien, que nos enfants puissent étudier, pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Le désir de tout père, c'est de voir ses enfants réussir. Pas pour que les enfants puissent lui donner de l'argent. Ce n'est pas comme les parents d'aujourd'hui. Les parents d'aujourd'hui sont devenus des matérialistes. Ils envoient les enfants jouer au football parce qu'ils attendent de l'argent de la part des enfants. Amen. Est-ce que vous savez que nos enfants peuvent ou ne pas nous aider? Nous, c'est notre devoir de les élever. Mais eux, c'est la bonne foi, c'est par la bonne foi qu'ils peuvent nous aider. Mais sinon, ils ne sont pas obligés. Voilà pourquoi les Blancs ont établi le système de job sales et ainsi de suite, la pension. Mais ne soyez pas comme les enfants des Blancs. Amen. Qui a mis leurs parents dans les maisons de retraite? On les a mangés là-bas. Il y a besoin de faire ma vie. Amen. Si vous faites ça, vos enfants vont faire ça quand vous serez vieux. Vous comprenez? Pourquoi nous le faisons? C'est parce que les enfants sont une partie de nous. Donc, c'est-à-dire que les enfants sont nous. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit qu'un père doit être comme Dieu. Dieu, c'est le papa responsable. Moi, je ne peux pas comprendre un monsieur qui va quelque part, qui va faire des enfants. Il est parti dans une autre ville, il trouve une autre femme là-bas, il se marie, il fait aussi des enfants. C'est-à-dire qu'il ne se rend même pas compte des enfants qu'il a laissés là-bas. Si les enfants ont mangé, est-ce que les enfants sont malades? Est-ce qu'ils sont morts? Ce n'est pas son problème. Ça, c'est un père irresponsable. Et je doute même qu'un père comme ça peut aller au ciel.
Il ne peut pas être un fils de Dieu. Ou soit, si tu n'es pas capable de prendre soin des enfants, laisser les enfants, ne faut pas les appeler sur cette terre. Laissez-les dans les appeler. Amen. Amen. Dieu n'est pas responsable. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu son fils Adam est tombé, il n'est pas resté là. Il dit non, je vais descendre. Tu t'imagines que le Dieu créateur du ciel, celui qui a créé les cieux sur la terre, il descend pour devenir, pour prendre un corps de chair. On a commencé à le taper comme un petit. On a craché sur lui. Il a accepté tout ça. Mais si on vous touche simplement là, vous vous fâchez. Vous avez fait ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit de moi. Il m'a insulté, il m'a parfois critiqué chez Pierre. Mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait. On lui a caché dessus. On l'a insulté. Mais son but principal, c'était quoi? C'était de récupérer Adam. Mais comme on a dit que, comme Billy Sandler disait que, pendant que Jésus était crucifié, tous les anges du ciel étaient prêts. N'est-ce pas? À bouleverser la situation. Ils voulaient massacrer tous les juifs là, pendant qu'ils crucifiaient Jésus. Ils attendaient le nom d'ordre que Jésus fasse ça. L'histoire allait changer. Mais ici, vous le faites, vous brisez toute l'histoire de la rédemption. C'était un grand secret qui était en lui. Amen. Il a accepté l'éducation. Un papa responsable. J'ai continué. Mon fils, il dit, mon fils ici était à moi. Je voulais un fils. Mais il était déjà en moi. Voyez, il était déjà en moi. Mais par le mariage, il a été transformé à un homme comme moi. Et il est devenu comme moi. Amen. Et vous devenez comme vos parents. Parce qu'au commencement, cela était en vous. Amen. Maintenant, si nous sommes des fils de Dieu, ces attributs, vous êtes un attribut de votre père, pas votre mère, de votre père. Le germe est dans votre père. Voyez, maintenant, votre mère était une incubatrice qui vous a porté la semence de votre père. Amen. Et voilà pourquoi on dit que Jésus n'était pas le fils de Marie. Amen. En réalité, on n'est pas le fils de notre maman. Nous sommes les fils de nos pères. Parce que, prenons une couveuse. Est-ce que le poussé appellera une couveuse maman? Hein? Tu prends l'œuf, tu mets dans une couveuse, ça va être long. Est-ce que le poussé appellera une couveuse maman? Ça, c'est le rôle de maman, de Marie. Mais par contre, pour les humains, il y a une raison. Amen. Il dit, et la terre dans la chair est aussi une incubatrice qui porte la semence de Dieu. Amen. C'est pourquoi on veut dire que quand on est né maintenant, ça c'est l'être humain. La chair, l'esprit et l'âme. Et on avait dit ça dans la foi, la substance foi. Que l'âme ici que vous voyez là, hein, c'est ça la semence. Sémence. L'âme que vous voyez là, c'est ça la sémence de Dieu. C'est vrai, ça une partie de Dieu. C'est pourquoi on fait dire que la terre qui est ce corps, mais devait maintenant être une incubatrice, qui est là pour emmagasiner la sémence. Ok? En réalité, l'homme, ce n'est pas ça. Le frère Branham, même dans une exposition aux États-Unis là-bas, on avait exposé, n'est-ce pas, on a fait une exposition sur l'être humain. C'est-à-dire que tout l'être humain qu'on avait pris là, vous savez combien il était? 96. J'espère que l'homme, si vous enlevez les chaussures, tout, il ne coûte que 50 centimes de dollars. Si vous voulez mettre ça en pound, non, 96. Donc en pound, il peut coûter 50 pi. Frère, c'est ça l'homme. Est-ce que vous pensez vraiment que Dieu peut mourir à la croix pour racheter les 50 pays? Amen. Oui. Jamais. Voilà pourquoi la mission de la rédemption, le corps n'est pas concerné. Il s'agit de la semence.
dans les champs. Lorsqu'un cultivateur prend toutes les semences, il garde seulement une partie. Il prend tout là, il peut vendre. Mais il garde seulement une partie. Si on dit, oh, mais pourquoi on ne mange pas ça? Il dirait que ça, c'est la sémence. Parce qu'il sait qu'avec cette sémence-là, il aura un autre champ. Il peut avoir même les doubles des champs qu'il avait. Mais une petite partie simplement. Amen. Une semence est capable de produire plusieurs corps. Vous plantez un grain de maïs, ça vous produit tout un arbre de maïs. Ça vous produit peut-être 4 ou 5 maïs. Et dans chaque maïs, il y a plusieurs grains. Et ça va reproduire encore et encore et encore. Amen. Amen. Donc ce qui est important, c'est la semence. Donc le rachat, c'était la semence. Le fait de dire que quand Adam avait chuté, il y avait seulement une partie de sa semence. Qu'elle est lancée. Maintenant, Dieu est revenu maintenant avec le livre de la rédemption pour lui rappeler simplement ce qu'il était. Donc, les rachats, c'est juste une prise de conscience. Il dit que quand un soldat vient de la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Il doit passer le test. Enfin, même s'il sourit, il est gentil, il est normal, il peut conduire la voiture. Mais il doit passer les tests. Vous savez ce qu'est les tests? Les petites questions. Quel est le nom de ton père? Le nom de ta mère? Le nom de ta femme? Le nom de tes enfants? S'il répond à toutes ces questions, alors on comprendra que le monsieur n'est pas amnésique. Amen. Et combien des amnésiques nous avons aujourd'hui dans le message? Les gens qui ne reconnaissent pas leur position. Amen. Notre position en Christ. Adam est devenu amnésique parce que la semence a été noircie. Les livres de la rédemption a été retiré. Le Père Bernard dit que Seigneur ne pouvait pas aller entre les mains seules de Satan. Parce que si Satan reçoit le livre de la rédemption, il devait être éternel. Il devait être éternel. Il devait comprendre. Il ne pouvait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a récupéré le livre. Amen. Maintenant, si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, alors vous étiez en Dieu au commencement. C'est pourquoi nous disons que le rachat, c'est ramener. Amen. Donc ce rachat ne concerne que ceux-là qui étaient en Dieu. Parce que du fait que tu es le fils de ton père, c'est parce que tu as été en lui. C'est ça être le fils de l'homme. Il n'y a aucun miracle pour moi de devenir le fils du frère de papa de frère prince. C'est impossible. Amen. Et je n'ai pas choisi d'être le fils de mon père. Et personne ne peut choisir d'être un fils de Dieu. C'est une affaire de prédestination. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour acheter tout le monde. C'est pourquoi on dit que la Bible dit dans, je crois, Jean 16, je crois. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui. Amen. Mais quiconque là, c'est un grand mystère. Le mystère de quiconque. Amen. Quand on dit quiconque, Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour ses enfants. Amen. Amen. Le fait de passer les femmes au travail, chercher l'argent pour tous les enfants de la terre. Amen. Amen. Moi, je ne veux pas être en school là-bas pour travailler pour tous les enfants de la terre. Je travaille pour mes enfants. Amen. Et personne ne dirait que, ah, frère, il faut monter mon abbé. Non. C'est normal. Amen. Donc, c'est-à-dire que, c'est pourquoi le Père nous dit qu'il faut regarder tous ces gens comme des objets de pitié. Parce que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais cela dépend de Dieu qui fait grâce. Amen. C'est ça les rachats. Ramener, racheter.
Racheter, ce n'est pas acheter. Racheter, c'est ramener. Mais comment on peut te ramener si tu n'as jamais été là? C'est clair. Une fois, j'ai donné ça à un prédicateur pentecôtiste. Il dit, ah, papa, on est dans la révélation. Oh, moi, dis donc, depuis que tu vas l'église, tu vas jamais comprendre que la rédemption, c'est ramener. Moi, je sais ça. Caïn n'était pas mauvais qu'Abel. Caïn était bon garçon. Mais le blanc qui décide Caïn, il décide un vilain. Non. C'était un bon garçon. Il faut dire que s'il n'était pas un bon chrétien ou bien un bon croyant, il n'allait pas offrir son sacrifice. Mais le problème, c'est que, comme Jésus disait, vous m'adorez, mais vous m'adorez en vain. Je n'ai pas besoin de votre adoration. Parce que c'est Dieu qui descend le nom pour adorer et être adoré. Donc si tu n'as pas une partie de toi, Dieu ne prend pas plaisir de ton adoration. C'est qu'un aïeux. Où est-ce que tu as? Esaü était un bon garçon. Pendant que Jacob allait jouer là-bas, Esaü, c'est lui qui préparait le même pour son papa. Ah papa, papa était devenu aveugle. Jacob, au lieu de s'occuper de son père, lui, il va se promener là-bas. D'ailleurs, le mot Jacob venait supplanter un escroc. C'est ça qui me plaît. C'est pourquoi quand il avait écrit, Dieu dit non, non, ton nom n'a jamais changé ça. On changeait son nom de supplanter à un prince. Comme le frère prince et Israël, c'est le même nom. Ils sont les deux, qu'est-ce que vous voulez? Israël et prince séparés. C'est le même, n'est-ce pas, frère prince? Le nom de c'est le même. Et le mystère est que celui-là est la tête de la famille et celui-là est le dernier. Donc le prince commence et le prince est clôture. Frère, tiens, c'est le milieu de tes. Oui, oui. Donc Esaü était un bon garçon. Il préparait la nourriture pour son père. Mais ce jour-là, quand il s'agissait du droit de naissance, la mère dit non, non, Jacob, va chercher les instruments que j'ai préparé. Tu vas donner à ton père. Ils ont fait un peu. Un peu d'escroquerie. C'est bizarre, hein? Enfin, les choses de Dieu sont. C'est bizarre. C'est comme j'ai dit, le voleur n'a pas fait. Un voleur, toute sa vie, il a volé. Rahab, une prostituée de carrière. Ouais, parce que tu n'es pas tout perdu. Mais, lorsque les espoirs sont arrivés à Jéricho, c'est Rahab qui les a accueillis. Tu vas expliquer ça comment? Et si vous voyez la généalogie de Jésus, Rahab, cette figure là dedans, et le prostitué. Parce que Rahab s'est marié avec un général, et puis Obed est venu, Obed David, et ainsi de suite, Jésus le fils de David. Mais Rahab est là. Tamar, Tamar, qui est sorti avec son beau-père, Tamar. Vous allez expliquer ça pour vous. C'est une affaire de prédestination. Donc tout le monde est chargé comme une coupille. Qui se voit Rahab maintenant? Mais Rahab était une semence prédestinée. Tu veux expliquer ça quoi? Et ça va un bon garçon. Dieu l'a haï depuis le ventre. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Parce qu'en Esaü, il n'y avait rien. Judas Iscariote était dans l'église de Jésus, un membre assidu. C'est lui qui tenait la caisse de l'église. Il était le trésorier de l'église. C'est lui qui faisait tout le programme. Il dit que ah, j'ai un bon poste ici. Mais les choses, ces gens-là, à table, quand ils mangeaient, Jésus leur dit que parmi vous, il y a un qui va me trahir. Il dit que c'est le fils de la perdition. Quoi? Oh, les gens qui étaient en dehors, quand ils voyaient Judas, ils disaient oh!
Il y a des gars qui sont venus, mais il a dit, mais déjà il est sauvé. Or, il était imperdu. Moi, j'ai le message, ça fait 15 ans, ça n'a rien à voir. Frère, moi, ça fait 159, rien à voir. Mais un véritable enfant de Dieu, s'il n'est pas amnésique, on lui amène la parole. Parce que la révélation est progressive. Quand les gens sont stagnants, ils sont quelque part là, ils mettent les frères en main. Cela veut dire qu'il n'y a rien dedans. Ils ne font que de la religion. Parce qu'aujourd'hui, la religion, c'est vraiment quelque chose qui paye bien. C'est une bonne entreprise. Des messieurs avaient son entreprise là. Qui paye bien, lui, fabriquer les temples de Dieu. Il recevait vraiment un Dieu considérable. Et lorsque Paul est venu maintenant pour prêcher la divinité de Jésus-Christ, on lui a fait des problèmes. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi? Ils ont changé. La rédemption a été changée par l'Église. Donc, c'est-à-dire que l'Église n'a rien à voir avec la rédemption. Non, je crois qu'il faut aller à l'Église, c'est bien. Mais aller à l'Église ne fait pas de vous racheter. Pour être un racheté, tu dois être une partie de Dieu. C'est en cela que les rachats vont s'accomplir. Et si tu n'as jamais été racheté à la croix, c'est-à-dire que tu ne le seras jamais. Parce que les rachats vont être clôturés à la croix. C'est pourquoi nous parlons de l'histoire. Amen. Nous sommes en train simplement de rappeler aux gens ceux-là qui étaient déjà sauvés. Amen. Parce que Dieu ne vit pas dans le temps, Dieu vit dans l'éternité. Lui, il voit la chose avant même sa fin. Avant même que ça commence, Dieu voit déjà comment ça va commencer, comment ça va finir. Il sait déjà que les riches croient-là, je les rachète. Amen. Un tel croit-là, je les rachète déjà. Sur la croix, déjà, on connaissait mon nom déjà. Et en cela, toutes les familles au ciel et sur la terre s'appellent toujours Jésus. Je veux que Dieu vive. Et faire mon côté. Maintenant, vous pouvez communier avec lui. Vous ne pouviez pas le faire avant. Parce que vous étiez simplement une parole de Dieu, une sémence. Donc, c'est-à-dire que si Dieu nous prend aujourd'hui, il nous ramène dans l'état d'héroïne, il n'aura plus de communion avec nous. Donc, cela brisera même son plan. Pourquoi est-ce qu'il va nous racheter? Pour faire quoi? Son désir était la communion. Comme la communion était brisée, Dieu dit, aïe, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire pour cet enfant? Il faut que je puisse changer les choses, il faut que je descende moi-même, mourir moi-même à la croix, afin que je puisse les ramener dans sa position, comme ça va commencer à communier. Parce que l'homme est devenu pécheur, son péché l'a empêché de voir Dieu. Voilà pourquoi on lui a dit, ok, va tuer l'animal, comme ça vous amenez les sangs là-bas. Quand on met les sangs là-bas, on va faire l'expiation, on va faire l'aspersion, cette fois l'aspersion, et puis vous recevrez le pardon. Comme c'était une vie animale, c'était inférieur à la vie humaine, il devait le faire. Jusqu'à ce que l'agneau de Dieu, Dieu lui-même manifesté dans la chair, est venu mourir, il a pris son propre sang et il est entré dans le sanctuaire qui n'a pas été fait par les mains des hommes. Amen. Et la Bible dit que le sanctuaire de Jésus était en train, c'était son propre corps. C'était ça le voile. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as promis un corps. Amen. Amen. On a promis un corps. Et le temple, c'était Christ. Voilà pourquoi les Juifs, ils attendaient un Messie qui venait dans un temple, un bâtiment. Mais à leur grande surprise, ils ont vu Dieu entrer en Christ. Et ils ont manqué la chose. Amen. Dieu que tu aies. Alors, il y a des amis. Ça a été fait cher. Ça a été fait cher de telle manière qu'ils puissent communier parfaitement avec vous. C'est ça le but de la rédemption. Le but de la rédemption, c'est pour renouer la communion. Prochainement, nous allons voir si nous allons parler du livre de la rédemption. Parce qu'aujourd'hui, on doit aller dans le détail des choses. Amen. Le livre de la rédemption, c'est quoi? Parce que si nous parlons du livre de la rédemption après le même comme ça, on ne saura pas si c'est ramené ou pas. Si vous cherchez quelque chose que vous ne connaissez pas, vous pouvez passer la chose en route comme ça. Vous cherchez pas, vous ne le connaissez pas. Et vous allez le voir comme ça, vous passez.
Il faut d'abord connaître qui est papa là. À ce moment-là, quand il venait, tu serais ah oui, c'est lui. Donc, c'est-à-dire, on va d'abord connaître le livre de la rédemption. C'est quoi? C'est les Écritures. Et quand on saura c'est quoi le livre de la rédemption, et on va vérifier si cela est accompli ou pas. Amen. À ce moment-là, on saura. Si cela n'est pas accompli, on attendra. Mais si cela est accompli, on doit croire. Oh, mes frères, tous ces profonds mystères de Dieu, comme cela est merveilleux. Voyez, Dieu ne pouvait pas communier avec vous en esprit. Alors, il est devenu un homme comme nous. Amen. Yes. Maintenant, laissez-moi prendre ça pour dire que tu. Dans ce cas, il y a cette problème ici. Mais Adam a perdu les titres de propriété de tout ce qui nous appartient, c'est-à-dire la vie éternelle et l'héritage de la terre. Jésus dit à Matthieu 5, heureux et bonheur quand ils hériteront quoi? La terre. Les patriotes disent que nous irons au ciel. Ils oublient que le ciel, c'est seulement pour 3 ans et demi. L'héritage de l'homme, c'est la terre. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah le prennent au camp à cache. Malheureusement, pour les témoins de Jéhovah, ils dessinent un paradis avec des cheveux blancs avec des lunettes. Quand vous prenez le livre des témoins de Jéhovah, vous allez voir des gens avec des cheveux blancs, avec des enfants, tout ça. Non, au ciel, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de cheveux blancs. Parce que les cheveux blancs, les cheveux qui grisonnent, montrent déjà la mort qui s'installe. Ça, c'est quel paradis qui a été côté de la mort? C'est faux. Amen. La terre, c'est l'héritage de l'homme. Frère, nous serons au ciel. Oh, Jésus vient, on ira au ciel. Quel est le ciel? L'homme a été créé pour vivre sur la terre. Dieu va mettre cette terre et nous allons habiter ici. Parce que c'est ici qu'Adam a habité. Adam n'a pas habité au ciel. Cette histoire-là, Adam a habité au ciel, vous avez vu ça où? C'est 3 ans et demi. Vous allez, après 3 ans, ça va. Amen. Ok, maintenant. Amen. Vous allez, on vous attend. Donc, 1, 2, c'est là. Amen. C'est-à-dire qu'on est en 2017. Sauf qu'en 2017, on est en 2020 et demi. Parce que heureux les démonaires quand ils hériteront la terre. Amen. Vous voyez, mais nous ne l'avons pas maintenant. Et vous voyez, elle n'est ni pour Adam, ni pour aucun de sa postérité. La postérité d'Adam a absolument tout perdu. Ce n'est pas pour la postérité d'Adam. Nous avons beau essayer d'embellir ce monde, de faire de belles maisons et de belles choses, ils n'appartiennent pas du tout à la sémence d'Adam. Pas du tout. Cela n'est pas aller dans les mains de la postérité d'Adam. Parce que Satan a tout pris la cave au grenier. C'est vrai. Et cela parce que Adam l'avait perdu. Les gens aiment aller au ciel. Quand ils vont au ciel, ils seront surpris. Il n'y a pas de grand ciel au ciel. Le grand ciel, c'est seulement pour garder le ciel. Mais ce n'est pas là. Au cours de ciel, vous êtes en parce que la civilisation a fait fuir Dieu. Amen. C'est la chute qui a produit tout ce que nous avons. Les humains et tout ça. C'est pourquoi ça casse à corps, ça tue 2000 personnes. Quand lui-même, là, on avait construit aux États-Unis, là, les deux tons humains, quand les gens voyaient ça, oh, c'est énorme, là, 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 oh, mais c'est terrible, là, oh, là, là, mais c'est bien, oh, là. Mais quand ça avait chuté, combien de personnes sont mortes maintenant? Les gens qui avaient perdu la famille là-bas, ils se disaient, si on n'avait même pas construit cette merde, mon frère, c'est encore. C'est de la malédiction. Tout ce qui est fait par les humains, c'est la malédiction, frère. Une belle fois, tu te lâches, mais c'est un cercueil. Il se guide dans la route. Si tu ne conduis pas bien, tu vas laisser ta vie dedans. Cherchez sur l'internet, vous allez voir combien de circulations
combien il y a d'accidents de ces personnes-là. Les gens sont découpés en morceaux. C'est pourquoi quand vous avez votre voiture priée. Amen. Amen. Tout ça, c'est de la malédiction. La civilisation est le contraire de ce que Dieu pense. L'homme peut tout réaliser, mais dit à l'homme hein, de créer simplement un brin d'arbre, de l'herbe. Comment les titres qui ont ça à la compagnie? Parce qu'il y a la vie dedans. Amen. La vie appartient à Dieu. Amen. Laissez-moi comme je veux. Mais de notre parent prend le livre de la rédemption. Qui est quoi? Scellé de cette terre. Donc le livre de la rédemption, c'est le livre qui est scellé de cette terre sauve. De la main de son propriétaire, je sais que nous avons eu n'est-ce pas, Apocalypse 5. C'est ça, non? Quand nous l'avons perdu au jardin d'Eden, au travers d'Adam, il est retourné au propriétaire original. Mais il y avait un bâtonnier sur la terre. Un intrus, c'est Satan. Il est venu et c'est un bâtonnier. Cette terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais c'est un bâtonnier et un intrus. Et je pourrais dire quelque chose maintenant, mais je ferai mieux de me taire. C'est le titre propriété de notre rédacteur. C'est le livre portant quoi? Je ne sais pas si vous voyez vraiment. C'est le livre portant. Cette sceau, c'est le titre de propriété. Bon, le titre de propriété, c'est quoi? Le livre de la rédaction, c'est quoi? C'est le livre scellé de cette sceau. Amen. Le but de la rédaction, c'était quoi? C'était de prendre simplement le livre là, de le ramener à l'homme. Quand on prend le livre là, on le ramène à l'homme, marche, quoi, j'ai fini, terminé. Rien à voir avec les histoires de l'Église. Mais on fait de ça maintenant un commerce. C'est ça le problème. C'est comme a posé le frère Oscar dernièrement ici. Il a pris quelque chose, il a parlé de quelque chose de bien. Ce sont les épées flamboyantes qu'on avait utilisées pour barrer les chemins. Mais on voit encore l'épée qui est la parole retournée entre nous. Pourquoi faire? Est-ce que avons-nous encore l'accès à l'arbre de vie? Mangeons l'arbre de vie aujourd'hui. Parce que ce qui nous empêchait, c'était le livre qui était pris. Mais quand le livre retourne, avons-nous accès à l'arbre de vie? Parce qu'on avait dit qu'empêchons l'homme de prendre cet arbre de manger parce qu'il deviendra comme un homme. Si nous avons mangé, sommes-nous devenus comme un homme? Yes, sir. À suivre, que c'est l'homme bénisse. Amen. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Endurer